Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dole, un petit village en France. Issu d'une famille de tanneurs, il est fortement encouragé par son père Jean-Joseph Pasteur de recevoir une bonne éducation, puisqu'il était le fils unique de la famille. Il a reçu un diplôme en lettres au Collège royal de Besançon en 1840, mais continua d'étudier pour un baccalauréat en sciences pour pouvoir entrer dans son école de rêve. En 1846, il réussit à rentrer à l'École normale supérieure où il finit son doctorat avec deux thèses, un en chimie et un autre en physique. Il commence à enseigner la physique au lycée de Dijon à Priori en 1849, mais change à l'Université de Strasbourg en tant que professeur en chimie même pas un an plus tard. C'est là où il rencontre Marie-Laurent, une des trois filles du directeur de l'université. Et le 29 mai 1849, il se mariera avec elle et ils ont eu 5 enfants. Pour de nombreuses années, les gens pensaient que la vie émergeait de façon spontanée. La théorie microbienne de Louis Pasteur prouve le contraire. Il a démontré que les aliments décomposaient dû à des micro-organismes dans l'air qui, par ensuite, se développaient. Le père de Pasteur était aussi un sergent-major lors de la guerre napoléonienne. Ce fait a probablement marqué le jeune Pasteur, qui était reconnu pour son patriotisme notable un peu plus tard dans sa vie. Il voulait servir son pays pendant la guerre, mais il ne pouvait pas dû à un accident vasculaire cérébral, qui a paralysé la partie gauche de son corps. Malgré ce désastre, Pasteur a surmonté avec persévérance et a continué son travail coriace. À la suite de la découverte de sa théorie bactérienne, il a eu une reconnaissance phénoménale et Napoléon III lui a demandé son aide. Puisqu'il ne pouvait pas servir la France durant la guerre franco-prussienne, il a décidé de s'attaquer à un problème majeur que la France avait à l'époque. L'industrie de vin n'était pas en bon état. Le vin français était apprécié parmi tous les peuples européens, mais beaucoup de bouteilles devenaient gâtées à un coût incroyable. Malheureusement, le fait de bouillir le vin pour tuer les bactéries amène un changement au goût. Après une série d'expériences, Pasteur a trouvé qu'en chauffant le vin à 55 degrés, les bactéries mouraient, en ce, sans altérer le goût. Ce processus, nommé plus tard la pasteurisation, a sauvé l'industrie du vin et a consolidé la renommée de Pasteur. Donc, sa volonté à vouloir supporter la France, en plus de supporter Napoléon III, a permis à Pasteur d'avoir une plus grande motivation à son travail. Finalement, il y a eu plusieurs décès dans la famille de Pasteur. En effet, 3 de ses 5 enfants sont morts de maladies infectieuses, ce qui était relativement commun à cette époque. Ces tragédies ont été très difficiles pour Louis. Pour se distraire de son chagrin, il mettait tout son temps dans son travail. Il a travaillé très fort pour comprendre l'origine de ses maladies. Les tragédies de sa vie l'ont poussé et aidé à trouver la découverte de nombreux concepts révolutionnaires. Pasteur a décidé de travailler sur la maladie du choléra des poules. Il a infecté les poules avec des cultures bactériennes qui les a donné une résistance contre la maladie. Cette découverte était un des premiers pas vers la conception des vaccins. En 1865, il s'est engagé dans un nouveau projet, la découverte de la maladie du ver à soie. Il a dédié 6 ans à cette recherche et a trouvé quel organisme était à la cause du problème et comment les vers infectés devraient être isolés. Cette démarche a grandement eu un impact pour les éleveurs de vers et ultimement pour l'industrie de la soie en France. En 1881, Louis a entrepris la continuation des travaux du médecin allemand Robert Koch qui avait déjà trouvé les bactéries qui causaient la maladie d'anthrax. Cette maladie était très mortelle à l'homme et pouvait exterminer des populations entières d'animaux de ferme. Heureusement, il a trouvé un vaccin pour celle-ci, ce qui a sauvé la vie de plusieurs. En 1885, Pasteur avait maintenant tourné son attention à la rage, une maladie mortelle avec des symptômes horribles qui causent une mort lente et douloureuse. Pasteur a passé plusieurs tests sur des animaux et était maintenant prêt à vacciner un humain. Le premier à se faire vacciner était un très jeune garçon nommé Joseph Miestre,
s'était fait mordre par un chien enragé. Le premier essai humain fut un succès total. Ce microbiologiste a observé la possibilité que les bactéries soient souvent introduites dans les plaies ou toute autre blessure par le personnel de l'hôpital. Or, il a suggéré la méthode de l'abcessie pour les outils et pour les bandages. Il a aussi préconisé le nettoyage régulier des mains ou, de façon non recommandée, simplement passer les mains rapidement à travers le feu pour les stériliser. Bien entendu, puisqu'il n'était pas un médecin, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'ont écouté. Mais ceux qui l'ont écouté ont permis d'éviter la transmission de beaucoup de maladies entre médecins et patients. Donc, Louis Pasteur a amené un des premiers concepts importants liés à la santé préventive et la santé publique. En 1888, l'Institut de Pasteur est fondé. Après sa grande découverte, la population voulait se faire vacciner contre la rage. Le but de l'Institut était de poursuivre des recherches sur les maladies infectieuses. Louis Pasteur est né d'un artiste. Il avait une passion pour la peinture et le dessin. Quand il était un petit garçon, il réalisait le portrait de plusieurs membres de sa famille, ce qui démontrait son attention pour la précision et le détail. Alors que les professeurs encourageaient son côté artistique, son père valorisait le travail scolaire beaucoup plus que l'art. C'est à ce moment que Pasteur étudia très fort. Son père avait une très grande influence sur sa vie et a même essayé d'apprendre la matière académique avec lui. L'encouragement et le soutien sans fin de ses parents ont joué un rôle très important dans sa réussite. La France a toujours eu une grande présence religieuse, surtout catholique. Malgré qu'il y avait des gens qui étaient protestants ou même dans des très rares occasions, des individus qui ne s'associaient pas au christianisme, l'Église avait son influence. Cependant, ceci n'a pas affecté Pasteur en aucun cas. Il trouvait que la religion, la philosophie, l'athéisme ou tout autre domaine de pensée ne lui concernait pas. En effet, la vérité et les faits étaient tout ce qui était important pour lui. Selon Pasteur, il fallait toujours des faits pour expliquer chaque événement, et ces faits devaient venir d'observations suivies d'expériences pour pouvoir confirmer ceux-ci. Les contributions de Louis Pasteur se traduisent en plusieurs impacts sur le monde médical actuel. Sans le savoir, ces contributions nous influencent chaque jour. Évidemment, lorsque le nom de Louis Pasteur est mentionné, une grande majorité des personnes pensent à la pasteurisation. Pasteur a démontré que le fait de chauffer le lait et ensuite de le ramener à une température normale peut éradiquer les éléments bactériens pouvant causer des maladies. En ce qui concerne la cuisine, le fait de cuire la viande animale permet d'éliminer aussi les bactéries et les virus qui peuvent être transmis via la consommation de ces animaux. En plus, parfois il faut bouillir l'eau si les usines de traitement ont un problème. Celle-ci est un concept qui vise à stériliser l'eau de toute bactérie ou virus, et ce, pour favoriser la consommation hygiénique. Est-ce possible d'aller plus loin avec cette pensée? Peut-être qu'un jour, on pourrait pasteuriser les humains au lieu de leur donner un antibiotique. L'importance de ce chimiste ne s'arrête pas là. Il a contribué à un autre aspect de la prévention des maladies, soit avec les vaccins. Les vaccins ont sauvé beaucoup de vies en éradiquant les possibilités de contracter les maladies transmissibles. Sans le moindre doute, il y a la cause des pleurs de la grande majorité des nourrissons et des enfants. Cela crée un enjeu pour les enfants car les vaccins génèrent de la douleur et aussi de la peur. Par contre, le concept d'atténuer les bactéries et de les injecter dans le corps humain pour créer une immunité a permis aux gens d'être à l'abri des maladies contagieuses reconnu dans le milieu microbiologique. C'est le même processus pour les nouvelles bactéries ou virus qu'on découvre. Il faut simplement isoler l'agent et l'affaiblir pour pouvoir le donner comme vaccin. Donc, les vaccins sont ultimement une arme avec laquelle l'humanité utilise pour combattre les envahisseurs microbiens et ce, encore une fois, grâce à Louis Pasteur.